belligérantes. Ainsi qu'il l'avait annoncé au cours de son meeting, le président Félix Tshisekedi s'est directement rendu au siège de FRIVAO, le fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des atrocités illicites de l'Ouganda pour remettre symboliquement une enveloppe d'indemnisation. Le premier bénéficiaire a été l'église catholique locale, comptée parmi les victimes. Ce geste a été bien apprécié par l'archevêque métropolitain. De manière symbolique, le chef de l'État a aussi remis une enveloppe consistante à chacune des trois victimes. L'opération devrait se poursuivre avec les responsables des FRIVAO. Et puis la situation sécuritaire sur l'étendue du territoire national et particulièrement dans la Grande Orientale était à l'ordre du jour de la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie que le chef de l'État a présidé ce jeudi à Kisangani. Et la première ministre, ministre sectoriel et les responsables nationaux des services de défense et sécurité ont pris part à cette très importante réunion de travail. Suivez ce compte rendu. Messieurs. Principalement faire le tour d'horizon des différentes zones de défense et se rassurer de la situation sécuritaire de l'état de la nation. Il a eu l'opportunité d'avoir tous les responsables autour de la table. Il a reçu les informations et il nous a donné des instructions précises pour sécuriser l'état du territoire. Et ça a été un moment d'échange important. On a fait ensemble l'état des lieux et les instructions ont été données. Effectivement, et je crois que la Tshopo et les provinces de la Grande Orientale auront aussi le bénéfice d'un conseil des ministres qui aura lieu demain, qui se tiendra dans la ville de Kisangani, qui permettra à ce que les différentes problématiques sécuritaires qui concernent la sous-région soient prises en charge et trouvent des réponses idoines. Et puis à Kisangani, où il séjourne depuis quelques heures, le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, accompagné de son directeur de cabinet, ont visité l'usine de production des panneaux. Explication avec Rudis Kitutu. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme sino-congolais signé en juillet 2011 entre l'État congolais et chinois. En ce jour à Kisangani, chef lieu de la province de la Tshopo, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gissaro Mouvouni, et le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, ont visité l'usine de production des panneaux préfabriqués en sel polystyrène. Dans le souci de garantir un développement durable en octroyant des logements décents aux Congolais, le gouvernement s'est donné comme objectif de résorber très rapidement ce défi avec plusieurs alternatives, notamment celle de la construction rapide des logements sociaux. Dans le programme du développement de la RDC, notamment le volet social du programme sino-congolais, il a été convenu d'une acquisition et installation de 4 usines de production de panneaux préfabriqués en sel polystyrène. Ce dernier étant le matériel désigné dans le style de construction appelé mur en béton qui permet de construire rapidement et qualitativement des bâtiments. Cette visite du patron des infrastructures inaugure un nouveau souffle dans le chef de la production de la population bénéficiaire pour voir un projet se concrétiser. Pendant ce temps, la dégradation des conditions socio-professionnelles de santé est régulièrement au centre des discussions entre le gouvernement et la délégation syndicale. Malheureusement, la mise en œuvre des résolutions a toujours été lettre morte. Anine Balaka, Patrick Badibanga, reportage. Depuis le dépôt du projet de loi des finances 2025 par la première ministre Judith Suminwa, le bureau du président de l'Assemblée nationale ne cesse de recevoir la visite des syndicalistes des différents secteurs du pays qui viennent plaider pour l'amélioration de leurs conditions sociales dans ce texte qui sera très bientôt soumis à un débat en plénière. C'est le cas du mercredi 23 octobre 2024 où le professeur Vital Kamere a eu l'honneur de recevoir cette fois-ci une délégation syndicale des professionnels de santé. Cette délégation syndicale est venue solliciter l'appui de l'autorité budgétaire pour améliorer la rémunération des professionnels de santé afin de leur permettre de vivre et de travailler dans des conditions plus ou moins décentes. Nous tenons à remercier sincèrement l'honorable président
qui a été très très attentif, qui a pris nos problèmes à cœur et qui nous a même fait des propositions qui vont certainement nous aider à avancer dans le secteur de la santé. L'hôpital Caméré a rappelé que les signes vitaux doivent être maintenus pour qu'un corps reste en vie. De ce fait, a-t-il souligné, le corps médical doit être bien entretenu pour que la couverture santé universelle puisse être effective sur toute l'étendue du pays, car les professionnels de santé sont des acteurs majeurs de ce vaste programme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mis en œuvre par le gouvernement. Il a demandé à chaque syndicat de désigner un délégué qui va participer aux travaux de commission ECOFIN sur l'examen du projet de loi des finances 2025. Le professeur Vital Caméré a promis d'y accorder toute son attention autant que toutes les autres délégations syndicales déjà envoyées à l'ECOFIN. Présidé par son président Jean-Michel Sama Lukonde, la plénière du Sénat de mercredi a adopté la 84e. De l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La plénière a également traité le rapport de délégation conduite par le président du Sénat à la 149e Assemblée générale de l'Union interparlementaire à Genève en Suisse et la mise en place des commissions permanentes après équilibrage. Janine Kalenga, Julo Piana, reportage. Le projet présenté au sénateur par le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba Kabuya, vient d'être adopté après sa défense pour une nouvelle période des 15 jours à dater du mercredi 3 octobre 2024. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 73 membres ont pris part au vote. 72 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo et remercie. Ce projet de loi sera transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République pour promulgation. La plénière a aussi traité le rapport de la participation de la délégation conduite par le président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde à la 149e Assemblée générale de l'Union interparlementaire à Genève en Suisse et la mise en place des commissions permanentes après équilibrage. Le rapport de la mission du président du Sénat avec toute sa délégation constituée des députés nationaux et sénateurs a également été adopté après lecture. Le bureau les transmettra par écrit aux sénateurs. Enfin, la plénière a adopté la composition des 10 commissions permanentes du Sénat après équilibrage, entre autres la commission PAJDH avec 11 membres, ETD 8 membres et ECOFIN 14 membres. La formation professionnelle, levier de développement du capital humain et la croissance économique de la République démocratique du Congo, toile de fond du résumé du briefing presse co-animé conjointement entre le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya et son collègue Marc Ekila de la formation professionnelle. Reportage signé Jacques Kabouaba. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter du 24 au 26 octobre 2024 la première édition de la foire de la formation professionnelle qui aura lieu à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences des santé sur le boulevard Triomphal. Le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, l'a dit au cours d'un briefing presse tenu conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaka-Tembwe. La formation professionnelle, levier de développement du capital humain et de la croissance économique de la RDC, thème retenu pour cette première édition de la foire de la formation professionnelle. Voilà, nous faisons la foire de la formation professionnelle. Je vous annonce déjà que c'est déjà une grande réforme dans le secteur de la formation professionnelle parce que nous sommes partis du constat fait par le président de la République lui-même lors de son investiture. Il a constaté effectivement qu'il y avait un problème d'emploi des jeunes, mais un problème qui était tributaire à la non-qualification justement des jeunes dans différents métiers. Voilà pourquoi il a décidé de créer ce ministère de la formation professionnelle. Et nous avons pensé, pour matérialiser cette préoccupation du chef de l'État, il fallait trouver un cadre où les acteurs du monde emploi, les partenaires financiers et l'État vont se retrouver pour discuter finalement des vrais problèmes de la formation, parce que l'emploi, c'est la finalité. Mais avant d'arriver à l'emploi, il faut d'abord une qualification.
Et voilà pourquoi nous avons créé, instauré au ministère de la formation professionnelle cette fois, qui a pour, entre autres, objectif, d'abord, je vais le dire vraiment simplement, comme vous aimez le dire Patrick, c'est pour changer le narratif de la formation professionnelle. Ce briefing presse fut également l'occasion pour Marc Ekila de parler des réformes amorcées à la tête de ces ministères, dont l'assainissement du secteur de la formation professionnelle. C'est dans ce cadre qu'il a annoncé la fermeture dans les prochains jours des centres non viables d'abord à Kinshasa, ensuite dans d'autres coins de la République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya a salué l'initiative de la tenue de cette foire. Répondant à une question, le porte-parole du gouvernement a réaffirmé sa détermination à poursuivre sa politique de la salubrité médiatique en RDC. En rapport avec la polémique observée actuellement sur Internet du 100 jours du gouvernement souminois, le ministre Mouyaya Katebwe a réagi en ces termes. Parce qu'on parle beaucoup de 100 jours, ce n'est qu'une indication qui permet de montrer d'où nous venons. Et je pense que vous avez suivi la première ministre elle-même, qui a coutume de dire qu'elle n'a pas des bâtons ou de baguettes magiques. Parce que nous voulons apporter des solutions, et nous voulons apporter des solutions pérennes. Alors, j'ai vu dans certaines réactions des critiques sexistes en 2024. La première ministre, l'intelligence n'a pas de sexe, l'intelligence n'a pas de couleur. L'intelligence n'a pas d'âge. Alors, moi, je veux bien accepter qu'on nous critique parce qu'on estime que telle action n'a pas été bien menée, mais c'est inacceptable qu'on nous critique ou qu'on critique la Première ministre du fait qu'elle soit femme. Le constat est sans équivoque. Briefing Press fait école, cadre idéal d'échange et d'information. Très bénéfique et riche d'enseignements, il permet d'élargir les connaissances pour éradiquer l'ignorance. Dialogue social. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, appliquant la politique de proximité, s'est rendu à l'hôpital général de référence Ex-Mamayemo pour être à l'écoute de pro-santé de cet hôpital en perspective des solutions aux problèmes posés. Nadine Kilosho. Soucieux d'apporter des remèdes aux problèmes qui gangrènent la carrière des agents et cadres œuvrant dans les hôpitaux de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, applique la politique de proximité pour appréhender et apporter des solutions à la base. C'est dans cette optique qu'il a effectué le déplacement de l'hôpital général de référence de Kinshasa, Ex-Mamayemo, où il a prêté une oreille attentive aux différentes préoccupations des pro-santé œuvrant dans ce centre hospitalier. Ayant développé le sens de l'écoute, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a pris à bras le corps tous les problèmes posés et envisagé des perspectives pour des solutions durables et non cosmétiques. Il y a un problème qu'il faut résoudre, il faut prendre des décisions pour la chose. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que je n'ai pas combien. 2300, ok, on donne des millions à plus, ok. Non, ce que nous allons faire, c'est évaluer les besoins de nos contrats. Ce que nous allons faire, avec un peu de direction, avec l'accompagnement de la direction syndicale, c'est de définir les cadres organiques de l'hôpital. Quand je viens vers vous, c'est pas par formalité. Cette stratégie de terrain va se poursuivre dans d'autres centres hospitaliers dans le cadre des audiences en rendez-vous dénommées Farafara face à face avec le VPM pour être au contact de toutes sortes de situations que rencontrent les fonctionnaires en vue de trouver des solutions idoines sans intermédiaire. Pendant ce temps, le centre d'enfouissement de Mpasson devant abriter les décharges publiques de la ville de Kinshasa est sujet à spoliation à outrance. La ministre des Affaires foncières, Akasia Bandoubola, est descendue sur terrain pour faire ce constat malheureux. Eric Kabomba nous en parle.
Après avoir échangé plusieurs fois avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, les enseignants et le chef coutumier Ngamaba, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akacia Bandubulambungu, était ce mercredi 23 octobre 2024 sur terrain, plus précisément à l'espace réservé au centre d'enfouissement de Mpassa dans la commune de Lancélé. Les constats est amers, selon la patronne des affaires foncières, Akacia Bandubulambungu, déplore les constructions anarchiques sur les sites. Pas d'électricité, pas d'eau potable, pas de caniveaux, pas de centres de santé, pas de routes, pas d'école, ainsi que le non-respect de normes urbanistiques. La ministre d'État Akacia Bandubula a aussi vérifié les documents des différents propriétaires, a également déclaré que toutes ces ventes des terres faites par le chef coutumier sont à base de tous ces conflits fonciers qui pullulent les cours et tribunaux. Dans le site du centre d'enfouissement de Mpassa, c'est une forme d'anarchie qui règne, un désordre total, bien entretenu par le chef coutumier Ngamaba et les enseignants. Elle persiste et signe l'intérêt de 20 millions de quinois doit être privilégié. Il faut une décharge finale. Ce qui fait de ces centres d'enfouissement de Mpassa est une spoliation faite par le chef coutumier Ngamaba, les enseignants et autres. Avant une décision finale, ce site doit revenir à l'hôtel de ville de Kinshasa pour son opération d'assainissement de la capitale. Il s'est de souligner que ce site est pollué, les conditions sanitaires ne sont pas viables et entouré par les ravins. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a insisté qu'on ne peut pas laisser la population habiter en ces lieux. Déjà depuis la création du bureau de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les violences sexuelles en période de conflit, la cérémonie commémorative a eu lieu à New York aux États-Unis. Au nombre des invités de Pramila Patten figure Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo. Edith Tchala nous en parle. Une prise de parole qui résume les années d'une lutte engagée pour la cause des victimes de violences sexuelles en période de conflit. Championne de l'ONU dans la lutte contre les violences sexuelles en période de conflit, la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a insisté sur l'importance de ce mandat qui a offert une voix aux survivantes et survivants et a mobilisé une réponse internationale cohérente à ces crimes. Fermer les yeux sur la souffrance des autres est un acte coupable. Mon pays, la République démocratique du Congo, et depuis trois décennies, le théâtre des conflits où la violence sexuelle est utilisée comme une arme de guerre. Des milliers de vies ont été brisées, mais nous avons pris des mesures fermes. En 2019, à travers mon initiative plus forte, j'ai fait de la lutte contre les violences une priorité nationale, prêtant ma voix aux survivants et œuvrant à restaurer leur dignité. Grâce à notre engagement, nous avons adopté la loi 22/065 du 26 décembre 2022, qui fixe les principes fondamentaux de protection et réparation des victimes. Cette loi consacre notamment la gratuité de l'assistance judiciaire pour les victimes et la création du Fonds national de réparation, FONAREV, déjà opérationnel. Je lance donc un appel pour une mobilisation de ressources plus équitable et plus juste, afin que toutes les victimes, quel que soit leur lieu de naissance ou le contexte de leur souffrance, aient accès à la justice, à la réparation et à l'opportunité de reconstruire leur vie. En 15 ans de lutte contre les violences sexuelles en période de conflit, les efforts ont été entrepris pour venir en aide aux centaines de millions d'hommes et de filles vivant dans les situations de conflit dans le monde. La République démocratique du Congo, par la voix de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, maintient son élan et poursuit sa lutte jusqu'à l'atteinte de l'objectif ultime des 0,4 violences sexuelles. Poursuivons ce journal avec le projet Grand Inga qui refait surface à l'échelle internationale au cours de discussions stratégiques avec la Banque mondiale qui se tiennent à Washington aux États-Unis. Le ministre des ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba a avancé les chiffres 40 milliards de dollars américains pour la matérialisation de ce vaste projet hydroélectrique en RDC. Yvette Makuntima.
La République démocratique du Congo au cœur des enjeux à l'échelle internationale aux assemblées annuelles de la Banque mondiale. Les ministres des ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Mouba, qui a porté la voix du pays dans ses assises, a souligné le fait que la RDC représente une réponse clé au programme M300 de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, programme qui vise à fournir de l'électricité à 300 millions de personnes d'ici 2030. Il a en outre affirmé que les potentiels énergétiques de son pays pourraient non seulement bénéficier à sa population, mais également à l'ensemble du continent et plus spécifiquement à ses pays voisins. La construction de cette centrale de Inga va permettre à créer une énergie décarbonisée parce qu'elle va donner l'électricité à plus de 82 millions de citoyens, ce qui permettra tout simplement d'inverser la dépendance au charbon de bois vers une cuisson propre basée sur l'électricité. Teddy Luamba Mouba a également abordé les sujets clivants sur les changements climatiques, indiquant la pression exercée sur les ressources naturelles, notamment les charbons à la base de la déforestation, avant d'évoquer le projet du barrage Grand Inga et son immense potentiel pour atterrir sur la nécessité d'élever de fonds à hauteur de 10 milliards de dollars américains pour le développement de ces projets ambitieux. Ainsi, la RDC, sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se positionne comme un acteur clé dans la lutte pour un avenir énergétique durable, tant pour elle-même que pour la région. 60 lauréates ont bénéficié de bourses d'études de concours sur la mathématique féminine au Fémina, initiative de Lise Adèle, en collaboration avec l'UNESCO et l'ONU Femmes. La cérémonie de cette remise a été présidée par le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Suivez. Des bourses d'études d'une valeur de 2 500 $ par an par élève de l'Université des sciences et technologies ont été octroyées à 60 filles lauréates de la première édition du concours Mathématiques Femmes, organisé par la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves. Lise Adèle, en République démocratique du Congo, avec les concours de l'UNESCO et de l'ONU Femmes. Au nom de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, et nouvelle citoyenneté, Madame Raissa Madoudinanga, rendre un vibrant hommage à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, en choisissant de relever le défi des mathématiques, vous avez montré que les jeunes filles congolaises possèdent les mêmes capacités que leurs homologues masculins et qu'elles peuvent se démarquer avec brio dans les disciplines souvent perçues comme masculines. Cette prise de conscience des filles d'embrasser la filière des mathématiques prouve que les filles congolaises ont brisé les stéréotypes et préjugés qui constituent jadis un frais pour accéder à cette filière, a déclaré Jean-Pierre Kezamundru, vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, lors de la remise des bourses aux lauréates. Vous le savez, le cancer de sein chez la femme est l'une des causes de plusieurs décès à travers le monde. Dans le cadre du mois d'octobre rose, l'école chrétienne Source de Vie a sensibilisé les élèves filles à se faire dépister avant pour éviter cette maladie. Reportage. L'école chrétienne Source de Vie, à travers son volet éducation et santé, joue un rôle important dans l'éducation des enfants. C'est dans le cadre Octobre Rose que la promotrice Marie Kanida Kazadi a réuni tous les élèves filles de différentes succursales des SSV à l'école chrétienne Source de Vie anglophone de ma campagne. L'objectif est de les sensibiliser à se faire dépister à temps pour diminuer le nombre de décès causés par le cancer du sein. Bravo aux filles, j'ai été victime de cela et j'allais encourager les filles, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale et prenez soin de votre corps. De leur côté, les garçons ont été sensibilisés à l'hygiène corporelle. Tu ne sais pas gérer ton adolescence maintenant, ça sera un fléau d'abord pour ta propre vie, pour ta famille, pour le pays. Lorsque vous croisez le chemin, tu as
Tu as comme si l'impression qu'il t'avait embrassé comme ça et que son odeur est restée sur toi. Pour la promotrice, la santé est prioritaire. Après SSV Allégresse de Mpassa, où les élèves vivant dans les milieux ruraux et périurbains suivent gratuitement les cours. Ici, les femmes bénéficient aussi d'un soutien particulier, des formations à travers différents métiers. Elles sont également sensibilisées sur le cancer de l'utérus. Dans le cadre de sa vision, Marie-Kalinda Kazadi met les bouchées doubles pour former une génération complète, intègre et responsable qui va assurer l'avenir du pays. Parlons justice dans ce journal. Le partenariat est scellé. Les magistrats congolais ont enfin une assurance maladie. La cérémonie de ce jeudi dans la salle Marcel Liaou de la Cour de cassation, présidée par le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta, lance l'enrôlement des magistrats à cette assurance avec Activa et Dichala. Explication. Depuis 2022, plus de 65 magistrats sont décédés sans soins de santé de qualité et les obsèques se sont déroulées par solidarité entre magistrats à travers les cotisations. Dieudonné Kamouleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, salue la concrétisation de cette réforme impulsée par le président de la République, chef de l'État, qui représente un pas important non seulement pour renforcer la motivation et la stabilité de magistrats en activité, mais aussi pour garantir leur sécurité sociale, un aspect souvent négligé par le passé. Nous avons signé le vendredi 16 août 2024 une convention avec la société d'assurance Activa RDC qui nous a garanti d'offrir aux magistrats une assurance santé et obsèques de meilleure qualité. Il n'y aura donc ni cotisation ni retenue à la source des salaires des magistrats. Tous les frais et afférents sont à charge de l'État congolais en exécution de l'article 25 du statut des magistrats rappelé. Une grande première dans l'histoire de la République démocratique du Congo qui ouvre une nouvelle ère dans le social du magistrat congolais. Ce projet matérialise la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui place les Congolais au centre de ses préoccupations. Grâce à ce partenariat conclu entre le Conseil supérieur de la magistrature et Activa Assurance, les magistrats, leurs conjoints et enfants bénéficieront d'une prise en charge médicale complète. Les fonds d'évacuation sanitaire sont également prévus pour les soins à l'étranger en cas d'urgence nécessitant une évacuation, ainsi que la prévoyance en cas de décès aux familles des magistrats. Et pour terminer, insécurité aux alentours du camp Kokolo, non loin de Lizipa. Un groupe de bandits a attaqué mercredi plusieurs habitations. Parmi les personnes ciblées figurent le coordonnateur national de l'ASBL, les témoins de Fachi. Un acte de tentative de meurtre est très condamné par la population, beaucoup plus les membres de cet ASBL qui sont montés au créneau dans une déclaration faite. Eric Kabamba, explication. Les stigmates du forfait d'un groupe des bandits ici, dans ce coin de la capitale, sont encore visibles. Beaucoup plus sur ces véhicules Land Cruiser dont le propriétaire a été beaucoup plus visé. Ces traces de balles démontrent la gravité de l'acte posé par ces bandits ici, aux alentours du camp Kokolo, non loin de Lizipa. Un acte très condamné par la population à travers le membre de l'ASBL, les témoins de Fachi, dans cette déclaration. Face à la tentative d'assassinat de notre coordonnateur national, Bienvenue Mouniassoubi Lutombo. Les témoins de Fachi tenons à condamner fermement cette violence inhumaine visant à éliminer physiquement un citoyen congolais orienté vers les valeurs positives en tant qu'acteur de développement dans les secteurs dont il est intervenant. C'est pourquoi, tout en mettant à garde cet incivique et ennemi de la République, nous demandons aux patriotes congolais à faire preuve de solidarité, vigilance et d'amour de la patrie pour barrer la route à ce genre de pratiques ignobles. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Peshomo Benga Yakasongo et Mamita Bangoulou qui étaient à la réalisation et la partie technique était assurée par Arnaud Mouti, Jean Ginseka, Alain Galia, Papi Vouélé. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h30 pour le prochain numéro de...